Ouais, ben, et puis, si je ressors ça, Alors là, pourquoi? ce que tu me disais, parce qu'il y en a plusieurs de la même série, alors sur celui-là, Ouais. enfin, qui se ressemble un peu, Ouais. et puis il y a un truc qui n'allait pas, alors que tu me disais que tu n'étais pas content, c'était le truc, le coin de la table à gauche, c'est juste? Ouais. Mais c'est pas un truc qui va pas, il y a tout qui va pas là-dedans. Hein. Après, Non, par exemple, la main. ça, j'aime pas non plus. Mais tu m'avais demandé si j'aimais pas la manche. Ça, t'aimais bien, Ça, ça. j'aime bien, ça, j'aime bien, ça, je trouve très beau. Ça, j'aime bien aussi. Ici, je trouve que ça joue bien. Après, là, je m'ennuie un peu. Puis là, je trouve que ça joue vraiment pas. Mais je veux dire, c'est pas. Fait, sur une toile comme ça, c'est déjà. Je vois que si je... enfin, si j'attaque dedans, je dois un peu tout refaire. Je dois un peu tout refaire. C'est intéressant quand tu dis que tu as des choses qui se passent, puis des choses qui ne se passent pas. Alors, par exemple, là où ça se passe, bah, c'est la manche à droite, enfin, à Moi, droite. je trouve que là, il y a beaucoup d'espace, puis en même temps, il est naturel. On dirait, on voit pas que j'ai dû réfléchir à changer de couleur pour peindre quelque chose. Je trouve que c'est fait d'une façon simple, évidente et normale. Ici, tu sens le mec qui réfléchit, ah, faudrait faire un peu plus foncé, puis il faut faire attention à la forme, et puis il faut ça. Ça manque de naturel, c'est pas ça manque de cohérence. Puis là, par exemple, ça tient super bien. C'est-à-dire que tous ces trucs, ça se courbe un peu dans tous les sens, mais tout en restant plat. C'est ça la peinture. Et puis le coin de la table à gauche, là ça c'est un peu cucu quoi. Ben, c'est-à-dire, comme pour que je t'ai montré pour la main, mais encore pire, parce que ça pourrait presque être une faute. Comment il y a cette manche qui est plus claire que le derrière? Puis ensuite plus foncé que ça, gardant à peu près la même teinte, puis cette petite pointe là, c'est rien ça. C'est pas pictural, c'est du dessin en fait, c'est du dessin colorié, à mon avis. C'est-à-dire que. Oh, j'ai refait ça. J'ai refait déjà pas mal de fois ce motif. Oh là, c'est du grand désordre, hein, pour l'instant, comme tu vois. Donc, je veux dire en soi, que ça soit barbouillé, moi, ou que ça semble un peu fragile, ou que ça semble un peu mal fait, ça me dérange pas. Mais ça n'empêche pas que ça doit pouvoir fonctionner. Alors maintenant, je te pose la question. Je te dis, est-ce qu'il s'appuie vraiment? Est-ce qu'il s'appuie sur la table? Ouais. Parce que la Est-ce table. qu'il est penché en avant pour lire? Tu me diras, dans l'autre, c'était pas tellement visible non plus, peut-être. Mais d'ailleurs, je te dis qu'il n'est pas réussi, donc. Ouais, donc c'est ce que tu recherches, c'est quelqu'un qui s'appuie, qui lit comme ça, de manière. Alors, c'est au moins un petit quelque chose, disons. Il n'est peut-être pas obligé de tout faire à la fois comme j'ai prévu, mais au moins qu'on sente quelque chose. Alors, moi, je sens une chose. Là, je suis OK. Je trouve que ce geste, il est juste. Il est comme ça, d'ailleurs. Il est comme ça à Ah peu oui, près donc depuis le il début. Ça, a... Oui, il froisse un peu le tissu, quoi. tenir son coude comme ça, avec une main, quatre doigts, ils sont un peu déformés, on ne sait pas trop ce que c'est, mais je trouve que ça correspond à une sensation. La main, elle touche vraiment l'intérieur du coude pour moi. Ouais, là, par exemple, là, c'était les coups de pinceau. Tu vois? Ouais, ça marche assez bien puis ici. Ouais. Après, juste en dessous, la tache Ça, plus là? claire. Non, juste en dessous de ce. Ça? Ouais, celle-là, elle est trop, tu vois, elle est trop délimitée.
je trouve. Ouais. Il faudrait presque qu'elle passe à un endroit ou à un autre. Tu vois, il y a moyen de faire encore des petites choses là. Là, c'est quand même dingue. Là, t'as l'impression que ça jouait pas. Ah oui, c'est du mélange. Mais ça, c'est pas grave. Parce que regarde comment ça passe. Ce doigt, il vient passer avec la bille, avec la manche blanche, de façon très naturelle. Puis disons. Quoi ça, là? Non, l'autre côté. Non, de l'autre côté. Voilà, ce bout du doigt, là. Ah oui, là. Ouais. Enfin, je sais pas, hein, on peut pas tout justifier. Mais comment dire, pour moi, c'est fait assez simplement. Puis pourtant, quand tu dis naturel. Ouais. Ah, qu'est-ce que t'appelles naturel, vas-y. Ouais, quand tu dis naturel, c'est précisément ce qui est le moins naturel, des fois. En tout cas, c'est contestable.